Moi, je suis l'ange Bouffareau. Ils m'ont appelé comme ça à cause des grosses joues que j'ai fini par attraper à force de jouer de la trompette chaque fois que le bon Dieu est content. Et cette nuit-là, jamais il avait été aussi content de sa vie, le bon Dieu. Il allait être papa d'un instant à l'autre. Et moi, jamais j'avais soufflé aussi fort dans mon instrument. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Parce que de l'endroit où j'étais, c'est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses. C'était le 24 décembre, il faisait Mistral, un Mistral à décorner tous les taureaux de Camargue, à déraciner les oliviers de Croix ou les pins des Alpilles. Et tous les habitants de Bethléem, ils s'étaient mis au lit de bonne heure et ils avaient ramené leur couverture au-dessus de la tête pour pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé tous les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il avait fait la toilette du ciel. Ça partait d'un bon sentiment, mais ça avait baissé la température. J'avais juste mes ailes pour me mettre à l'abri et je commençais à me faire du mauvais sang. J'espenchais de tous les côtés. Enfin, je les ai aperçus. Les pauvres, ils faisaient peine à voir. Saint-Joseph marchait devant, la barbe secouée par le Mistral comme une bannière. Il essayait de couper le vent à la Sainte Vierge avec ses larges épaules. De temps en temps, il se retournait et il disait « Alors, ma belle ?» « Je n'en peux plus. » Encore un petit effort. Je vois un cabanon là, tout près. Personne ne veut de nous. Les riches peut-être, mais ici ce sont des pauvres. Ils nous feront bien une petite place. Donne-moi ton bras. Oh, mon Dieu, que j'ai mal. Oh, ya, quelle misère. Nous sommes propres. Pas d'argent, pas de maison, et une femme qui va accoucher en pleine nuit. Et par un temps pareil. N'aie pas peur. Attends, je vais te porter. Je te demande pardon de te causer tant de soucis. Je suis sûr que ça s'arrangera. Mais quand même, le bon Dieu, il n'est pas raisonnable. Quand je t'ai épousé, j'aurais dû poser mes conditions. Tu regrettes? Écoute-moi bien, ma belle. Qu'est-ce que je suis, moi? Une pauvre rien du tout. Et le bon Dieu m'a donné le droit de te prendre par la main. De te porter dans mes bras. Toi, la mère de son petit. Et tu voudrais que je regrette quelque chose? Mais un bonheur comme ça, je ne l'avais pas mérité. Seulement qu'il nous aide un peu, le bon Dieu. Autrement, nous allons à la catastrophe. Et il y aura des gens pour dire que c'est ma faute. Attends. Bouge pas, nous sommes arrivés. Y'a quelqu'un? Ils dorment, les pauvres. Ça m'ennuie de les réveiller, mais je peux pas faire autrement. Vous l'avez entendu, Saint-Joseph. Il n'y a pas plus brave que cet homme. Il n'aime pas déranger les gens. Et même quand il s'est aperçu que le cabanon était une étable, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Bien sûr, c'était que des bêtes, mais elles avaient travaillé toute la journée et elles avaient le droit de dormir comme tout le monde. Il leur a dit... Excusez-moi de vous déranger. Le bœuf et l'âne qu'on avait tiré du premier sommeil ont failli se mettre en colère. Mais quand ils ont vu la jolie Sainte Vierge, toute pâle, toute mourante, et Saint Joseph, avec ses grosses mains rouges et calleuses de travailleurs, ils ont eu honte et ils sont devenus tout gentils, tout pleins d'amitié. Ne restez pas dehors. Venez vite au chaud. Vous avez de la chance, juste on a changé la paille ce matin. Si on avait su que vous veniez, on aurait mis un peu d'ordre. Saint Joseph, il avait trop de soucis en tête pour attacher de l'importance à ces détails, parce que la Sainte Vierge, elle venait d'entrer dans les douleurs. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas. Moi non plus. Je suis qu'un âne. On voudrait bien pouvoir vous aider, mais on est bon à rien. Mon Dieu, donnez-moi vite un coup de main. Avec ces 200 ans, comment voulez-vous que je m'en tire? Il était presque minuit. Je me suis approché du fenestron. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça paraît pas croyable. C'est pourtant la franche vérité. Le bœuf a dit... Puisqu'on ne peut pas se rendre utile, on pourrait toujours dire une prière. Tu en sais, toi, des prières? Moi non, mais Saint Joseph, forcément, il doit en savoir. Écoutez-les, ces fadas. Les prières, elles ne sont pas encore inventées. C'est justement pour ça que le petit doit venir sur la terre. En attendant, on pourrait toujours se mettre à genoux. Parfaitement, c'est comme ça que les choses se sont passées. Saint-Joseph, le bœuf et l'âne se sont agenouillés tous les trois. Il était minuit juste et le petit est né. Il n'a pas poussé un cri. Il est né avec le sourire. La Sainte Vierge, elle souriait aussi. Le bœuf, Saint-Joseph et l'âne, eux, ils poussaient des larmes, grosses comme des olives. Alors, Saint-Joseph a dit des mots qui lui venaient du fond du cœur et que jamais personne ne lui avait appris. Et l'âne et le bœuf, qui étaient encore moins savants que lui, y répondaient à tour de rôle. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le petit Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, bonne Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Alors moi, je suis monté dans le ciel aussi haut, aussi vite que j'ai pu, pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Et j'ai soufflé dans ma trompette à m'en faire péter les veines du cou. Alors, le Mistral s'est arrêté d'un coup. Je crois que j'avais réussi à le faire taire. Mais c'est pas ma trompette qui a réveillé les gens. Je crois que c'est le silence qui a suivi. Ils se sont assis sur le lit en se frottant les yeux et en disant « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Alors mes collègues, les anges, les jeunes, les minots, ceux qui ont la voix douce leur ont chanté une petite chanson pour qu'ils ne s'effraient pas, pour qu'ils s'imaginent pas que c'était la fin du monde, juste le jour où le monde venait de naître. Et alors, j'ai plus su où donner de la tête, parce qu'à partir de ce moment-là, les miracles se sont succédés à une allure extraordinaire. C'étaient pas des grands miracles, juste des bonnes manières que le bon Dieu faisait aux gens pour montrer qu'il était content que les choses se soient bien passées. Le premier miracle, il est tombé sur le meunier au moment où il s'y attendait le moins. Le meunier, c'était le plus feignant de tout Bethléem. Sous prétexte que sa femme était partie avec un Espagnol, il refusait de moudre la farine. On était en décembre et le blé de la saison s'entassait toujours dans son grenier. Les rats commençaient à s'y mettre. « Cocagne », disait le meunier. Il passait ses journées à boire du pastis et la nuit, pour que les ailes de son moulin ne le dérangent pas, il les attachait avec des cordes grosses comme des troncs d'arbres. Vous me croirez si vous voulez, au moment où le Mistral s'est arrêté et où mes petits collègues se sont mis à chanter, le meunier a eu comme l'envie de se sortir du lit. Oh. Il disait... Oh, je ne sais pas ce qui me prend, mais il me semble que j'ai envie de travailler. Si je le disais à quelqu'un d'autre, il ne voudrait pas me croire. Je sais bien que ma femme est partie avec un Espagnol, mais ce blé, si je le laisse moisir, il sera perdu pour tout le monde. J'ai vraiment pas de chance, hein. Juste au moment où je suis dans de bonnes dispositions, le bon Dieu, il me coupe le vent. Il se serait rendormi, le meunier, et peut-être même il se serait réveillé fatigué par l'effort d'imagination qu'il avait fait pendant la nuit. Mais soudain, il tendit l'oreille. Les ailes de son moulin, ligotées par des câbles gros comme des troncs d'arbres, s'étaient mises à tourner dans un ciel où ne soufflait pas la moindre brise. Le Mistral ne soufflait plus et pourtant, les ailes du moulin continuaient de tourner et de moudre. Et soudain, le meunier a sauté de son lit et il a enfilé ses brailles. Et il gesticulait, et il se démenait, et il disait... Mais où il est, ce divin petit, qui a fait un miracle pour un grand feignant comme moi? Où il est, que je demande pardon? Oh, et regarde cette farine qu'il me donne, si fine, si blanche. Je vais lui emporter un sac tout de suite. Non, non, deux, non, trois. Oui, trois, un sous chaque bras. Et l'autre sur la tête. Et je marcherai jusqu'à ce que je l'ai trouvé, ce divin petit, même si le coup doit me rentrer dans les épaules. Entre nous soit dit, pour le bon Dieu, faire marcher un moulin, même sans Mistral, c'est un jeu d'enfant. Mais faire sortir du lit, au mi-temps d'une nuit glaciale, ce grand feignant de meunier et lui faire parcourir la campagne avec un sac de 100 kilos sur la tête et un de 50 sous chaque bras, c'est peut-être le plus grand miracle qu'il ait jamais fait. Quoique le miracle du boumian et du gendarme, c'était pas commode à réussir non plus. Le boumian, les gens du Nord, ils disent le bohémien. Le boumian, son métier, c'était de voler des poules. Le gendarme, son métier, c'était d'arrêter les boumians. Ça faisait 20 ans qu'il se courait après. Et jusqu'à présent, le boumian avait toujours échappé aux gendarmes. Or, précisément, cette nuit-là, à minuit juste, on entendit dans le poulailler de Roustido, le plus riche propriétaire de Bethléem, un gros rire triomphant. C'était le gendarme qui venait de prendre enfin le boumien en flagrant délit. Cette fois, mon brave ami, je crois que je te tiens. J'ai rien fait de mal. Et cette dinde que tu viens d'étrangler sous mes yeux, elle est à toi peut-être? Pas tout à fait, mais c'est Noël. Et alors? Alors, à Noël, tout le monde est la marge de la dinde. Noël, j'en ai jamais entendu parler. Allez, marche devant. Et n'essayez pas de te sauver, hein. Je te préviens que j'ai mon calibre. vous avez entendu, brigadier? D'abord, je ne suis pas brigadier. Et ensuite, n'essayez pas de distraire mon attention. Brigadier ou pas, vous avez entendu quand même. Évidemment, j'ai entendu. Et quel effet ça vous fait? Ça ne te regarde pas. Moi, je vais vous le dire, l'effet que ça vous fait. Je suis sûr que vous avez envie de me remettre en liberté. Et comment tu le sais? Parce que moi, c'est un peu la même chose. La dinde, j'ai envie de la rendre à son propriétaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous devenus sa dalle. Peut-être. Vous avez remarqué, mes collègues ont changé de répertoire. Mais quoi qu'ils chantent, ça fait toujours le même effet. Ça réveille dans le cœur des hommes des choses qu'ils ne soupçonnaient pas, qu'ils avaient oubliées. Même ce poltron de pistachier, même sa femme la poissonnière, ils se sentent soudain bizarres, comme s'ils étaient en train de changer de peau. Pourquoi tu dors pas, pistachier? J'ai entendu du bruit. C'est peut-être les voleurs. Oh, vaille, les voleurs. Tu n'as pas honte d'être si peureux? Et toi, pourquoi tu dors pas? Tu sais bien que tu dois te lever à 5 heures? J'ai des cauchemars. Je sais bien que c'est l'hiver. Mais le poisson que je vais leur vendre, ça fait plus de 8 jours que je l'ai. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, puisque c'est pas toi qui le manges? Tu l'arroseras un peu à l'eau de mer, et personne n'y verra rien. C'est guère honnête. Mais il y a 20 ans que tu fais comme ça, je vois pas pourquoi tu changerais aujourd'hui. Ah, tais-toi, tu me fais honte. Oh. Il faut que j'aille le voir, ce poisson. Et s'il n'est pas comme il doit être, tant pis pour moi, je le jette. Mais qu'est-ce qui lui prend, ma pauvre femme? Elle veut nous mettre sur la paille. Pistachier, viens vite! Viens voir! On a fracturé la tiroir-caisse. Viens voir, je te dis! Regarde! Regarde ces rascasses. Quand on s'est couché, elles étaient molles et grises. Oui. Elles avaient plus figure humaine. Regarde-les maintenant. On les dirait vivantes. Mais regarde, comme elles ont l'œil clair. On dirait qu'elles vont te parler. Et les couleurs qu'elles ont! Elles brillent tellement qu'elles te font parpelléger. C'est un vrai miracle. Alors ce serait vrai que ce Niston, c'est le bon Dieu qui nous l'envoie. Il faut y aller voir, hein? Tout de suite. Tu veux sortir, toi? Au milieu de la nuit? Poltron comme tu es? Dans les grandes circonstances, j'y pense pas que je suis poltron. Allez, 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 faisons de route. Prends au moins ton fusil de chasse. Des fois que tu rencontres le boumien... Si je le rencontre, le boumien, je lui souffle dessus. Mais le fusil, je vais le prendre quand même, hein, pour que si je tombe sur une lièvre... Si tu tombes sur une lièvre, tu feras comme d'habitude. Tu la vises et tu la manques. Oh, va savoir si le bon Dieu il a fait un miracle ce soir. Et pourquoi il n'en ferait pas deux, alors? Les miracles de cette nuit, je ne peux pas vous les raconter tous. D'abord parce qu'il y en a trop. Ensuite parce que... le bon Dieu, il aime faire plaisir, mais ça l'agace qu'on le crie sur les toits. Et d'abord, la bonne nouvelle et la jolie musique, il y avait au moins quelqu'un à Bethléem sur qui elle faisait pas d'effet. C'était ce sans-cœur de Roustido. À Bethléem, il n'y avait que lui de riche. Il avait des champs d'oliviers, des champs d'amandiers, et des hectares de pommes d'amour. Et plus il gagnait de sous, plus son cœur devenait sec. On ne vous l'a pas dit dans l'histoire sainte pour ne pas lui faire de peine, mais c'est lui qui a mis à la porte Saint-Joseph et la Sainte Vierge en les traitant de mendiants et de va-nu-pieds. Voilà comment il était, Roustido. Et pourtant, sa fille Mireille, il n'y avait pas plus jolie, il n'y avait pas plus gentil, plus plaisant à regarder, plus aimable. C'était une fille sage et patiente, mais elle était amoureuse de Vincent. Un brave petit bien propre et bien clair, mais lui, il n'avait pas de sous. Il gagnait sa vie à garder des taureaux dans la palustre, ce qui n'a jamais enrichi personne. Et le dimanche, il jouait du galoubet avec les tambourinaires de Bethléem. Tout ce qu'il possédait au monde, c'était son cheval, son trident, son tambourin et son galoubet. Quand Mireille avait parlé de Vincent à Roustido, il avait failli mourir de suffocation. C'était il y a 1 an, et depuis sa réponse avait été toujours la même. « Je ne donnerai jamais ma fille à un pauvre !» Mireille était sage et patiente. Elle avait essayé jour par jour de fléchir la volonté paternelle, mais le vieux était têtu comme un âne corse. Alors, ce soir-là, après le dîner, dans la grande salle à manger provençale, le dîner silencieux comme le dîner de tous les soirs, Mireille avait mis son beau costume d'arlésienne et était partie de chez elle pour ne jamais plus y revenir. Et Roustido, aux 3 carrefours, battait la campagne en hurlant « Mireille! Mireille! Mireille !» Mais Mireille ne l'entendait pas. Elle était dans les bras de Vincent et elle disait qu'elle y resterait toute sa vie. Vincent, lui, était un garçon raisonnable et il commençait à s'inquiéter. « Tu vas te faire crier de rentrer si tard. »« Ça m'est égal. Je veux plus rentrer à la maison. » »« Elle est pourtant belle, ta maison. »« Oui, elle est belle et bien chauffée. Il y a de la place pour 100 personnes et à manger pour 25 ans. » N'empêche que mon père a mis ce soir à la porte 2 pauvres gens qui étaient venus lui demander asile pour la nuit. C'est ce qui m'a décidé à partir. Tu as bien réfléchi? Je ne veux plus le voir. Je reste avec toi. Tu veux qu'on s'enlève, hein? Oh oui! Enlevons-nous! C'est un gros péché, tu sais. Et le bon Dieu nous pardonnera. Mais ton père, il va en faire une maladie, et en plus, on dira que sa fille est une moins que rien, et ça risque de le faire abattre aux élections. Tant pis pour lui. Tu es décidée? Oui. Je t'aime. On s'enlève ou je me tue? Ne parle pas de malheur. Puisque c'est comme ça que tu le veux, moi je le veux aussi. Je vais chercher le cheval et en route pour le Bacarès. Eh bien, vous allez voir comment il est, le bon Dieu. Il est encore plus brave que vous le pensez. Il n'a pas de rancune. Roustido a failli faire mourir de froid le petit Jésus dans le ventre de sa mère. C'est des choses qu'un père n'oublie pas. Le bon Dieu, lui, il a déjà pardonné. Et il a demandé à mes collègues les anges de jouer un air qui n'était pas au programme. Oui. On dirait les cigalons arlatins. Je me sens comme si j'étais toute petite. Quand tu étais toute petite et que tu te promenais aux Aliscans, je t'aimais déjà. Moi aussi je t'aimais. Il faut pas qu'on s'enlève. C'est toi qui me l'as demandé. J'étais folle. Ceux qui s'aiment n'ont pas besoin de se cacher. Je demanderais pas mieux que de te mener devant le maire. Mène-moi d'abord voir ce petit bébé qui vient de naître. Je te mènerai où tu voudras. Mais entre nous soit dit, les femmes, c'est un peu difficile à comprendre. Et tout à coup, j'ai dressé l'oreille. Quelqu'un chantait. Un homme, pas un ange. Et là, j'en sais pas plus que vous. Je l'écoute comme vous. Moi, connaissez pas encore. Je suis le berger. L'hiver ici, l'été dans les Alpes, toujours seul avec mes bédigues et mon chien. Quand le Mistral s'est arrêté, j'ai été le premier à entendre le silence. J'ai l'ouïe tellement fine. Et le silence, ça fait tellement plus de bruit qu'un chant de grillon. Et toutes les musiques, j'en ai pas perdu une goutte. Je sais qu'il se passe quelque chose de pas ordinaire, quelque chose de bien, que c'est de la joie qui nous arrive. Et ça me fait plaisir parce que moi qui ne vois personne, les gens, je les aime bien. Et ce petit qui vient de naître, je sais qu'il veut du bien à tout le monde, et je lui dis merci. Seulement, j'irai pas le voir. Je serai peut-être le seul, mais j'irai pas. Parce que j'avais un chien. Il est mort ce matin. Alors, toute la joie du monde, elle me passe à côté. Depuis 10 ans, on vivait ensemble, mon chien et moi. Et maintenant, il est là, dans mes bras, tout raide, tout froid, tout mort. Je suis pas de ceux qui blasphèment ou qui se plaignent. J'ai pas l'esprit revendicateur. Je demande pardon au petit qui vient de naître. C'est pas de ma faute, mais puisque mon chien est mort, il se passera de moi. Ils auront tous du bonheur sur les lèvres et dans les yeux, et moi je ferai une figure d'enterrement. Je reste avec toi, mon brave chien. Tu te souviens comme tu aimais que je te gratte la tête? Tu savais pourtant donner de la gueule. Tu poussais un petit gémissement de plaisir, comme un homme qui s'étire. Quoi? Mais c'est pas possible. Mon chien. Ah, petit Jésus, mon troupeau, je te le donne. Et mon chien, si tu me le demandes, je te le donnerai aussi. Mais tu me le demanderas pas, dis. Tu me le demanderas pas. Et maintenant, tous les habitants de Bethléem s'étaient rassemblés sur la place. Il ne manquait que Roustido qui continuait à parcourir la colline en criant « Mireille, Mireille !» Ils avaient mis leurs habits de dimanche, ils avaient des cadeaux pleins des charretons et ils brandissaient des chandelles. Il n'y en avait qu'un qui dormait, c'était leur avis. C'était pas qu'il avait le sommeil profond, mais que ce soit le jour ou la nuit, il n'était jamais complètement réveillé. Le jour, il restait à sa fenêtre, les bras en l'air, en regardant les gens, le ciel, les bêtes, les fleurs, et en disant « Que le monde est joli. C'est pas possible qu'il soit aussi joli. » Les bras toujours levés et le bonnet de nuit sur la tête, il est venu se mêler à la foule. Soudain, il s'arrêta et venait d'apercevoir un homme triste sous un porche. « Qu'est-ce que tu as, toi, à ne pas être heureux ?»« Moi, je suis l'aveugle. »« Et il faut que tu sois heureux quand même, un jour comme aujourd'hui. »« Viens avec moi, je te raconterai tout. Je te dirai comment ça se passe, et fais-moi confiance, j'ai de l'imagination. Comme je te le dirai moi, ce sera encore plus vrai que nature. » Et il a pris l'aveugle par le bras. Mais il ne savait pas exactement où aller. Les gens tournaient en rond et se demandaient l'un à l'autre « Mais où il est, ce petit ?» J'ai donné un petit coup de trompette. Ils ont fait le silence et je leur ai dit « Vous avez qu'à me suivre !» Alors, ils se sont pris par la main et ils m'ont suivi en dansant la farandole. Let's go. permettez, nous allons passer devant pour voir ce qui se passe dans la crèche. Mais n'oubliez pas de prendre votre pardessus, parce qu'on y gèle dans cette étable. Saint-Joseph se fait un mauvais sang terrible. C'est pas un temps à chrétien. Il va s'enrhumer, le pauvre petit. Et à son âge, un rhume, ça a vite fait de tomber sur la poitrine. Au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux d'avoir une idée. Pour les idées, tu sais, les ânes, ils sont guère forts. Ses petites mains sont toutes froides. Il a le bout du nez gelé. Attendez, bonne mère, je vais vous le réchauffer. Ça vous ferait rien de le poser sur la paille? Fais bien attention. Il est si petit tout nez. Ne craignez rien. Vous voyez, je m'allonge à côté de lui. Et mon collègue aussi. Allez, dépêche-toi. Comme ça, il est déjà un peu protégé contre les courants d'air. Ça suffira pas pour le réchauffer. Va savoir. Nous, les bêtes, pendant l'hiver, ils nous poussent du poil et on conserve du chaud dans nous. Évidemment, il vaudrait mieux une bonne cheminée avec un grand feu de bois. Mais tout ce qu'on peut lui donner, c'est notre chaleur. Vous êtes les plus braves. Mon fils ne vous oubliera pas. Oh, si entre malheureux on s'aidait pas, ça serait pas la peine. Allez, fais pas l'hypocrite. Dis-le à la bonne mère qu'on y pense aussi à la gloire. C'est vrai? Jusqu'à présent, il y en avait que pour le cheval et le taureau. Mais j'ai l'impression que le bœuf et l'âne, il s'en parlera un peu à partir de maintenant. Et qu'on en dira du bien. Vous croyez pas? Catastrophe. Il a éternué. Il va prendre le mal de la mort, ce petit. Ramenez-le-moi. Attendez, mon collègue. Quand je te souffle sur le museau, là, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait rire. Ça te fait rire. Mais ça te réchauffe. Souffle-moi aussi dessus pour voir. Vous croyez que c'est le moment de vous amuser comme des imbéciles? Comprenez-moi, on va lui souffler dessus, mon copain et moi, tous les deux ensemble. Vous allez voir si on vous le réchauffe pas, votre petit. Allez, on y va. Regardez, regardez, il a souri. Il est déjà presque tout rose. Vous me direz que le bon Dieu, il n'y avait rien de plus facile pour lui que d'envoyer le beau temps. Un 24 décembre sous nos climats, ça n'aurait étonné personne. Mais il fallait d'abord accomplir les Écritures. Dites-vous bien, une fois pour toutes, qui sait ce qui fait le bon Dieu. Son petit, c'était pas un fils de famille. Il fallait qu'il soit élevé à la dure, qu'il apprenne les difficultés de la vie. Mais voilà nos gens qui arrivent en farandant les gens. Et leur avis, marcher le premier en tenant l'aveugle par la main. J'en ai vu des petits jolis nistons. Mais des jolis petits nistons comme ce joli petit niston-là, je croyais pas que ça pouvait exister. Et il avait raison, ce demi-fada, parce que moi non plus, je n'avais pas encore bien vu le petit Jésus. Et ça m'en a coupé les ailes. J'avais plus rien à faire sur la terre. J'avais fait ce que le bon Dieu m'avait dit de faire. J'avais joué de la trompette aux 4 points cardinaux, mais j'avais plus envie de remonter au ciel. Et tous les gens qui étaient là, ils étaient comme moi, paralysés par la surprise et par la joie. Alors, ils sont tombés tous ensemble sur leurs genoux et ils se sont mis à chanter à pleine voix. Il y a eu un silence embarrassé. Tout le monde voulait parler, mais personne ne savait plus que dire. Et le plus embarrassé de tous, c'était le gendarme. Tous les habitants de Bethléem avaient apporté des cadeaux, excepté lui. Alors, il est devenu tout rouge et il a dit « Sainte Vierge, et vous, Saint Joseph, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de passer à la maison. J'étais de service. Autrement, je vous aurais apporté des figatelli, de la farine de châtaigne et du fromage corse. Mais je n'ai rien sur moi comme un revolver. Alors, je vous le donne pour amuser le petit. Tu es bien brave, mais... Ah non, 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 n'ayez pas peur. C'est un revolver d'honnête homme. Il n'a jamais servi. Mais il risque de se blesser. Pensez-vous, il n'y a pas de cartouche. Juste, je le portais à la ceinture pour assurer le monde. Mais vous pensez tout de même pas que je m'en serais servi contre mon prochain? Merci, Colombani. Vous savez mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi, Colombani. Je sais, par exemple, que tu attends une lettre depuis longtemps. Eh bien, tu la recevras demain au courrier, cette lettre. Une lettre? Ta nomination de brigadier. Ah. Le ministre est en train de la signer en ce moment. Alors ce revolver, garde-le. Parce qu'un brigadier sans revolver, ça ferait mauvais effet. Mais c'est vrai ce que vous dites. Mais dis donc, tu vas pas traiter ma femme de menteuse. Mais promets-moi de continuer à ne pas t'en servir. Oh, ne vous faites pas de soucis. Non seulement j'y mets pas de cartouche, mais je laisse toujours le cran d'arrêt. Après, tout le monde voulait parler en même temps. Mais, naturellement, c'est Honorine de la Poissonnière qui a eu le dessus. Bonne mère, je vous ai apporté des rascasses pour le petit. Des rascasses presque vivantes. De la rascasse? Pour un petit qui vient de naître? Mais tu n'y penses pas. Oh, mais dites, mes rascasses, elles n'ont jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce que vous insinuez? Ah, j'insinue rien. Je dis que le petit, il est trop jeune pour manger de la rascasse. Et qu'au bas mot, ça risque de lui donner de l'urticaire. Et toi, pistachier? Tu le laisses dire, naturellement. Mais non, excusez-la, bonne mère, elle a le parler un peu vif. Mais c'est une brave femme, vous savez. En tout cas, si vous voulez pas de ces poissons, j'espère que vous accepterez ma lièvre. C'est une belle lièvre de moins 12 livres que j'ai tuée en venant vous voir. Ah, ouais, parfaitement, parfaitement. Je l'ai tuée moi-même, d'un seul coup de fusil. Parlons-en de ta lièvre. C'est la première fois qu'il rentre pas bredouille de la chasse. Oh, dis-toi. La Sainte Vierge les écoutait avec amusement. Un moment même, elle a éclaté de rire. Et Honorine et Pistachier étaient si fiers d'avoir fait rire la Sainte Vierge qu'ils en remettaient, qu'ils se forçaient, qu'ils cessaient d'être drôles. Alors, la Sainte Vierge, elle a remonté le sourcil et elle a dit... « Attention, vous allez tomber dans l'opérette marseillaise. » Et le petit, il aime pas ça. Mistral et Daudet, ils sont déjà au ciel. Pagnol et Giono les y ont rejoints. Audouard, il ira sûrement. Mais les autres, il faudra qu'ils se surveillent. Et à partir de ce moment, chacun a fait son numéro dans la discrétion. Le berger a enlevé l'agneau qu'il avait autour du cou et l'a posé au pied du petit Jésus sans prononcer une parole. Puis, il a fait une dernière caresse à son chien. Et il a dit... « Moi, je suis le berger. J'ai un joli fil de voix, mais on ne s'en est jamais servi dans les opérettes. Je fais rire personne. Je parle seul, je sens mauvais, j'ai pas d'amis. Enfin, j'en ai qu'un. C'est mon chien. Il est mort ce matin et il est ressuscité ce soir. Dans les opérettes, les chiens qui ressuscitent, personne ne voudrait y croire. Alors ce chien ressuscité, bonne mère... Je le donne à ton petit, pour qu'il le garde, qu'il te fasse les commissions. » Berger, mon fils, plus tard, sera berger comme toi. Il sera le berger des hommes. Et les hommes n'ont pas besoin de chiens pour les garder. Ils ont besoin d'amour. Les paroles de la bonne mère passaient nettement au-dessus de l'assemblée, mais le berger, lui, les avait comprises. Mais s'il veut pas de mon chien, peut-être il voudra bien de moi. L'heure n'est pas encore venue, mais il te fera signe. Ainsi fut recruté le premier apôtre, sans que personne s'en aperçoive. Mais dans l'assemblée, il y en avait un qui commençait à trouver le temps long. C'était le meunier avec son sac sur la tête et ses deux autres sacs sous les bras. Il avait des crampes de partout. Il fit tomber le sac qu'il avait sur la tête et il dit... « Bonne mère, jusqu'à ce soir, j'étais un gros feignant. Ça c'est vrai. Toi, Pistaché, s'il te plaît, je te parle pas. Je parle à la bonne mère. J'étais un si gros feignant que même dans le pays, ça avait fini par se remarquer. Et puis ce soir, il s'est produit un grand miracle. J'ai senti en moi une envie de travailler. Oui, oui, oui. Non, mais une envie si grande que sur le moment, elle m'a fait peur. Mais je me suis ressaisi et la première farine que j'ai faite depuis des mois, je vous en ai apporté 3 balles pour la bouillie du Niston. Mais si vous le permettez, je vais rentrer tout de suite au moulin pour profiter de mes bonnes dispositions. J'ai tellement peur que ça me passe. Tu ne vas pas travailler un jour de fête? Ah, ça, si vous me le demandez, je serai bien obligé de rester sans rien faire. Mais je vous jure que ça va me coûter. Non, 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 mais c'est vrai. C'est la vérité, il n'y a pas de quoi rire. Je tiens plus en place. Eh bien, rentre chez toi. Non, 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 il vaut mieux pas, parce que je crois qu'une fois dans mon moulin, j'aurais pas le courage de rester sans rien faire. Retourne à ton moulin. Je crois que tu as de la visite. De la visite? Elle s'appelait Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Elle est de retour? Pour de bon? Pour toujours? Oh, bonne mère. Oh, mes amis! Tu lui as pardonné, au moins? À elle? Oh, mais il y a longtemps. Et ce soir, alors je... Je suis tellement heureux que je crois que j'ai aussi pardonné à l'Espagnol. Alors tu peux partir. Et le meunier est sorti comme un fou, sans dire merci à la Sainte Vierge et sans dire au revoir à personne. Et le ravi levait les bras en l'air en disant... Mon Dieu, comme c'est beau, un homme qui était malheureux et qui devient heureux. Mon Dieu, comme c'est beau, un homme qui était paresseux et que l'envie de travailler le prend. Écoute, le ravi, tu commences à nous agacer. Si je t'agace, je te demande pardon. Tu parles de travail et tu n'as jamais rien fait de ta vie. J'ai regardé les autres et je les ai encouragés. Je leur ai dit qu'ils étaient beaux et qu'ils faisaient de belles choses. Tu t'es guère fatigué. Et tu n'as pas même apporté de cadeau. Ne les écoute pas, ravi. Tu as été mis sur la terre pour t'émerveiller. Tu as rempli ta mission ? Et tu auras ta récompense. Le monde sera merveilleux tant qu'il y aura des gens comme toi, capables de s'émerveiller. Arche d'alliance, tour de David, porte du ciel. Étoile du matin, salut des pêcheurs, rose mystique, bonne mère admirable, merci à vous. Bonne mère très pure, merci à vous. Bonne mère très chaste, merci à vous. Bonne mère des anges, merci à vous. Bonne mère du Sauveur, merci à vous. Salut des infirmes, consolatrice des affligés, merci à vous. Ils se retournèrent tous. L'aveugle venait de tomber à genoux et il avait l'air en extase. Tu me remercies, toi qui n'as jamais vu le ciel et les étoiles. Je te rends grâce. Je chante tes louanges. Tu me rends grâce, toi qui vis dans la nuit. Tu chantes mes louanges, toi qui es enfermé dans la plus sombre des prisons. Le ciel, tu me l'as donné. La lumière, elle est en moi, et je me sens libre comme l'oiseau. Marie, ma belle, il faut faire quelque chose pour cet homme. Tu n'as qu'un mot à dire. Mon Dieu, qui ce soir avait exaucé tous mes désirs. Non, bonne mère, c'est pas la peine. Ne le dérangez pas. Je sais que le monde est beau, puisque c'est lui qui l'a fait. Mais je suis sûr que le ciel est encore plus beau, puisque c'est là qu'il habite. Demandez-lui seulement que j'ai pas longtemps à attendre. Faites que j'ouvre les yeux le jour de ma mort. Faites que je voie quand ça vaudra vraiment la peine de voir. À force de rôder dans la campagne en criant « Mireille, Mireille !», Roustido avait fini par apercevoir toutes les petites lumières qui avaient transformé les tables en reposoir. Il était entré pendant que tout le monde chantait et personne ne s'était aperçu de sa présence. D'abord, il avait vu sa fille qui tenait son tambourinaire par la main et il avait failli mourir de colère rentrée. Puis, il avait vu le boumian avec la dinde étranglée et il avait failli arrêter la chanson pour faire un malheur. Mais il était resté bien sage dans son coin et il sentait petit à petit couler en lui une espèce de douceur, de gentillesse, de bonté. Et il répétait sans arrêt. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Roustido? Tu es pas en colère? Mais tu es complètement gaga. Allez, zou, mets-toi en colère. Mais il restait toujours immobile et il se sentait devenir meilleur à chaque seconde. Et quand il a vu le boumian s'avancer vers le petit Jésus en balançant sa dinde d'un air timide, il n'a pas bronché. Et le boumian disait « Petit Jésus, toi qui as la peau si blanche et les cheveux si blonds, n'aie pas peur de moi qui suis noir de poil et presque nègre de peau. Je t'ai porté cette dinde. » Mais tu es un sans-vergogne, cette dinde, tu l'as volée. Laisse-le parler, veux-tu, gendarme? D'abord, les dindes, j'en volerai plus, et celle-là, je l'ai volée à Roustido. Et les dindes, il en a à n'en savoir que faire. Tandis que vous, peu cher, vous êtes dans le besoin. Alors, j'ai pensé qu'au lieu de la garder, je ferais mieux de vous la porter. Si vous n'en voulez pas, hein, vous pourrez toujours la vendre. Tu as très bien parlé, Boumian. Je veux pas te contredire, mais cette dinde, elle n'est pas à lui. Eh oui, ce qu'il vous propose tombe sous le coup de la loi. Article 19, recel et complicité. Cette dinde, nous ne pouvons l'accepter. Mais... ce que nous acceptons, c'est la gentillesse avec laquelle tu nous l'as offerte. Tu nous promets, Boumian, de ne plus jamais voler de dinde. Ni dinde, ni poule, ni pentade, ni pentador. Et pourtant, c'est bon le pentador bien tendre. Boumian. Promis, j'en volerai plus. Reprends ta dinde et va la rendre à qui tu l'as prise. Alors, il s'est produit un coup de théâtre que jamais de votre vie vous en avez vu de pareil. Roustido a écarté gentiment le monde et il a dit... Tu peux la garder. Je te la donne. C'était la première fois que Roustido faisait un cadeau à quelqu'un. Les gens n'en revenaient pas. Le ravi était plus ravi que d'habitude. Oh, Roustido, que c'est beau ce que tu viens de faire. J'en ai vu des belles choses dans ma vie, mais jamais d'aussi belles que cette belle chose-là. Roustido, il s'était mis à genoux et il se frappait la poitrine. Petit Jésus, je suis un assassin. Quand ton père et ta mère sont venus frapper à la porte, je les ai jetés à la rue. Je ne me le pardonnerai jamais. Je suis un criminel. Ne vous mettez pas dans des états pareils. Vous voyez bien que ça a fini par s'arranger. Je vais faire préparer une voiture bien bâchée, bien souple, avec un cheval bien doux. Et je vais vous faire conduire à la maison, dans la chambre la plus belle et la mieux chauffée. Dans la mienne, quoi. Et vous y resterez tant que vous voudrez, jusqu'à la fin de vos jours, si ça vous fait plaisir. Et vous aurez à vous faire de soucis, de rien. Ah, vous êtes bien brave. Qu'est-ce que tu en dis, Marie ? Mon fils et moi, nous vous remercions, mais nous ne pouvons accepter. Nous devons rester ici pour accomplir la volonté de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire de toute la bonté que je me sens dans le cœur, tout seul dans ma grande maison vide? Avancez, vous, les petits. Toi, Mireille, l'arlésienne. Et toi, Vincent, le tambourinaire. Oui, toi. N'aie pas peur. Lui, je ne veux pas le voir. Jamais il épousera ma fille. Pourquoi? Il est beau comme un sous-neuf. Vous ne vous mêlez pas de mes affaires de famille. Et vous dites que vous vous sentiez pleine de bonté? Comprenez-moi, faire un cadeau d'une dinde à un carac, recevoir des amis à la maison, d'accord, ça je me sens capable de le faire. Mais donner ma fille à un joueur de fifre qui n'a même pas une chemise de rechange, vous pouvez me juger sévèrement si vous voulez, c'est au-dessus de mes forces. Mettez-vous à ma place. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Il était têtu le vieux, hein? Et je crois que pour le faire changer d'avis, le bon Dieu aurait été obligé de faire encore un miracle. Mais il n'en a pas eu besoin, parce que dehors venait d'éclater un tintamarre terrible. C'étaient les rois mages. À force de regarder l'étoile qui devait les conduire à Bethléem, ils avaient tous un peu le torticolis. Ils étaient partis depuis des mois et ils avaient juste un quart d'heure de retard à cause d'un de leurs chameaux qui traînait la jambe. Ils venaient du bout du monde, avaient des turbans, des colliers de perles et une armée de négrillons qui leur tenait le pan de la robe. Leur ravi se frottait les yeux. « Sainte Vierge, que c'est beau! Mais regardez comme ils sont beaux, ces hommes !»« Demain matin, je rentre, une fois dans le roi qui parle, je rentre, une fois dans le roi, c'est le bon chemin. » Au lieu de s'agenouiller comme tout le monde, il s'était mis à plat ventre et se cognait le front par terre en disant « Salam alek, salam alek ». L'aveugle se demandait ce qui se passait. Le ravi lui a dit « Viens ici, mon beau, toi qui n'as pas voulu retrouver tes yeux de peur des vilaines choses de la vie. Celui-là, qui est grand et maigre comme un cyprès et qui a la peau toute jaunâtre, il s'appelle Melchior. Il tient dans les mains une cassolette d'or et de pierres précieuses. De la cassolette monte une fumée qui sent bon. Je connais, c'est l'encens. Le deuxième s'appelle Balthazar. Il a les dents blanches comme le sommet du Ventoux. Il a les lèvres rouges comme des pastèques et les joues violettes comme des figues. Il a de grands anneaux aux oreilles. Dans les mains, il tient une urne d'argent. Ce qu'il y a dedans, je ne le sais pas. Il y a de la myrrhe. C'est le parfum le plus subtil de l'Arabie. Que tu es heureux, toi, l'aveugle. Tu sens les odeurs qui n'arrivent pas jusqu'à nous. Et le troisième, il a une barbe qui descend jusqu'aux pieds. Et il est obligé de rester courbé pour pouvoir tenir dans le cabanon. Il s'appelle Gaspard. Il ressemble à mon grand-père. Il tient dans les mains une grosse malle de cuir. Et ce qu'il y a dedans, tu le sais peut-être. Des pièces d'or. Je les entends glisser, l'une sur l'autre, comme les gouttes d'eau d'une rivière. Tu avais raison. C'est bien de l'or. Que tu es heureux, toi, l'aveugle. Tu entends des bruits qui viennent pas jusqu'à nous. Et voilà, c'est bientôt fini. Chacun a pris la pause, comme chez le photographe, mais c'est pour l'éternité. La Sainte Vierge et Saint Joseph, qui regardent dormir le petit Jésus et qui l'adorent, ils ont la tête penchée sur les épaules et les mains jointes, et ça durera jusqu'à la fin du monde. Le ravi, les bras en l'air, l'aveugle appuyé sur sa canne, pistachier appuyé sur son fusil, la poissonnière, un panier de poissons de chaque côté de ses hanches énormes, et le berger avec son agneau qui dort autour de son cou, et son chien qui dort entre ses jambes. Et le boumian qui a mis amicalement la main sur l'épaule du gendarme, et le gendarme qui se lisse la moustache, et le bœuf et l'âne qui se sont endormis, brisés par l'émotion. et personne ne dit plus rien, et ils ne bougeront plus jusqu'à la fin des siècles. C'est le destin des Santons. Rostido ne sait pas encore quelle attitude prendre. Alors, la Sainte Vierge a désigné la malle de cuir pleine de pièces d'or et elle a dit au tambourinaire: Vincent, prends ce qu'il te faut pour te monter à ménage. Maintenant, tu vas pouvoir épouser Mireille. Alors, Rostido a compris qu'il devait faire un geste avant d'être transformé en santon pour toujours. Il a pris la main de Mireille, il l'a mise dans la main de Vincent et il a dit: Tiens, prends ma fille. Tu es pauvre, mais ça m'est égal. Je te la donne quand même. Et il s'est immobilisé pour toujours, tenant la main de ses enfants serrée dans la sienne. Il venait de gagner le paradis sans le faire exprès. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi si j'étais un peu bavard, c'est dans mon tempérament, mais je vous jure que j'ai dit la franche vérité. Allez, adieu. Je remonte au ciel. Portez-vous bien, soyez braves, soyez heureux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.